Bienvenue à tous dans Trivia, la petite pastille des anecdotes du jeu vidéo. On s'intéresse aujourd'hui à Inside, sans conteste l'un des jeux les plus réussis de l'année 2016. Et si le nouveau titre des créateurs de Limbo nous a tapé dans l'œil, fort notamment d'une superbe direction artistique, il nous a également marqué par son ambiance sonore. Les quelques nappes musicales qui accompagnent le joueur durant toute cette aventure ont indéniablement participé à construire cette atmosphère si spéciale et marquante. Mais saviez-vous que leur compositeur avait travaillé sur ces partitions avec un instrument vraiment très très particulier ? Il s'appelle Martin Stig Andersen. Et il est donc le compositeur des musiques d'Inside. Il aime faire de chacune de ses collaborations un travail unique. C'est dans cette optique qu'il a voulu offrir au deuxième jeu de Playdead une empreinte sonore atypique. Le compositeur s'est ainsi intéressé au fait que notre propre voix avait un son différent dans notre tête. Et il a donc eu l'idée d'utiliser un véritable crâne humain pour y faire transiter et vibrer ses compositions, puis les réenregistrer et les retravailler pour en faire la bande originale du jeu. Pour le site Gamasutra, Andersen a ainsi dévoilé récemment deux extraits des musiques d'Inside, le premier étant un extrait musical normal, et le second étant exactement le même après son passage dans le crâne humain. Écoutez attentivement. Voici l'extrait initial. Et voici le même extrait, une fois passé dans le crâne humain et traité en studio. Intéressant, n'est-ce pas ? Comme l'a confié Andersen, le premier résultat sonnait très mal et il a dû essayer de nombreux microphones de contact différents avant d'avoir un résultat potable, qu'il a ensuite retravaillé en studio afin d'obtenir cette version qui a été utilisée dans le jeu et contribuant à lui insuffler cette aura si particulière. Andersen affirme que ce travail restera unique et que s'il gardera certainement ce crâne en souvenir, il ne lui servira plus pour d'autres travaux. Il préfère avancer et tester de nouvelles choses. Il a d'ailleurs affirmé vouloir s'intéresser désormais aux outils de surveillance électronique, comme par exemple les micros hautement directionnels. Peut-être retrouverons-nous le résultat de ses recherches dans le prochain jeu de Playdead. Seul l'avenir nous le dira. Allez, à mercredi prochain dans Trivia.